Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'emmène Younes et Yacine à Aqualaba. C'est un parc aquatique en Espagne, les gars, ça va être incroyable. C'est parti. Let's go. On vient de rentrer dans le parc et on remarque directement il y a une méga piscine juste ici. Je crois que c'est une piscine à vagues en vrai de vrai, ah ouais, mais les vagues elles sont pas encore activées. En fait, les vagues elles s'activent il y a des heures pour les vagues et là, genre là, c'est pas le moment des vagues. Donc là, vraiment, c'est vraiment incroyable. En plus, la piscine c'est comme la mer, genre elle est claire. Wow, regardez ici. Il y a une méga rivière, on peut aller en bouée et faire le tour. Ça s'appelle la rivière sauvage. Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas dit bonjour les reilles, on est au parc. Et là, je vais défier Myriam. C'est quoi? Vous voyez le gros seau là-haut, il est en train de se remplir. Et ça va faire une giga fontaine d'eau. Yacine, il pose 3 questions. Ouais. Le premier qui arrive à 3, il gagne. Et l'autre, il doit aller en dessous de la giga fontaine d'eau. Est-ce que t'es prête? Je vais t'éclater. C'est la capitale de l'Espagne. Myriam. Madrid. Ok, 1-0. Citez-moi 2 joueurs espagnols. Younes. Lamine Yamal, Sergio Ramos. 1-1. Yes. Citez-moi une célébrité espagnole. Myriam. Lamine Yamal. Non, ça c'est... Je viens de le dire là. Younes. Eric Cantona. Non, c'est pas un espagnol, Myriam. Attends, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? 3, 2, 1, Younes. Piqué. 2-1. Yes. Balle de match. Citez-moi un plat espagnol. Myriam. La paella. 2-2. Okay, ah, arrête de poser tes questions sur l'Espagne. Citez-moi 3 joueurs de l'Algérie. Myriam. Barrez. Belaïli et Fegouli. Non, il va couler. Vas-y, j'ai grappé. C'est vrai que l'eau elle est tellement forte qu'il va tomber. Les gars, le seau est en train de se remplir. Je suis KO, l'eau elle est glacée. Je vous dis au revoir. Peut-être que vous avez pu me revoir. Mettez un like, abonnez-vous les reilles. Ça va être incroyable aujourd'hui. Je suis congelé, Myriam. Je vais me venger, tu vas voir, je vais me venger. Ah, vous connaissez les gars, nous on veut faire les giga gros toboggans là. Mais Myriam, c'est un peu une peureuse, faut dire la vérité, c'est ouais, un peu c'est une... la vérité. Donc on va lui faire des toboggans tranquilles pour la rassurer. Tu penses que ça c'est tranquille, tu peux le bah, faire? Bah logique, je peux le faire les yeux fermés. Ok, c'est parti. Myriam, quoi? Est-ce qu'après tu vas faire cela là? Vas-y, avec vous, à des bouées de deux, par contre moi je vais pas toute seule. Ok, vas-y, c'est parti. Il y a marqué nos courir. Et Yacine, là, c'est pas la honte de faire des toboggans comme ça. C'est pas la honte, c'est le début. Il faut toujours commencer par quelque chose pour se rassurer et après faire les giga toboggans. Okay, Myriam, attention, qui va se lancer? Ah, moi j'ai peur. Non, je rigole. Comment ça t'as peur? Myriam qui va se lancer. Ah non, elle est grave froide. Ah ouais, elle est grave froide. Allez, c'est parti. Allez, Myriam. C'est parti, Myriam, attention. Okay. Là, je glisse pas. Elle glisse pas, tu vas glisser. Ah, elle glisse. Allez. Allez, les amis, je vais pas lui dire, mais ça c'est grave gênant parce qu'elle va rester bloquée au milieu, vous allez voir. Myriam, tu fais celui-là maintenant? Vas-y. Allez, c'est parti, Myriam. Bah, okay. Regardez-moi, vous allez voir. Allez, Myriam, attention. Tu sais, des fois je suis restée bloquée dans ça. Ah ouais? Non, t'inquiète, tu vas pas rester bloquée, t'inquiète. Allez, c'est parti. Attention, Myriam. Non, elle est pas bloquée. Incroyable, elle est pas bloquée. Allez, la chance! D'habitude, elle reste bloquée toujours au milieu vers là. Là, là c'est pas resté bloqué, elle a eu trop de chance. Ah, mais c'est vraiment là, incroyable. Regarde, c'est des enfants qui font ça, c'est des bébés. Ouais, en fait, faut pas lui dire, mais c'est la honte de fou pour Myriam. Regardez, là, elle est contente. Regardez, elle est contente, elle joue avec un croissant. Non, les gars, le toboggan, c'était du niveau moins 1. T'es prête à affronter les giga toboggans là-bas là? Bah ouais. Les gars, on vient de tomber sur une géante station service, on va commander à manger, c'est le moment de manger. Arrête, on vient juste d'arriver, faut profiter des toboggans et tout. C'est grave, quoi, c'est pas le moment de manger. C'est pas le moment de manger. Non. Mais c'est le matin. Les gars, il essaie de chercher une bouée pour qu'on puisse partir. Les méga toboggans. Ah les gars, en fait, j'ai peur, genre ça fait ça direct après tu tombes. Ouais, est-ce que t'es prête, Myriam? Ouais, je suis prête. Par contre, tu vas devant, tu vas derrière. Toi, tu vas devant et moi je vais derrière. Je vais mettre la GoPro sur ma grosse tête, j'espère qu'ils vont m'autoriser. C'est une blague. Elle crie pas comme une fille, hein. Ah ouais, mais c'est une fiche. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va se faire recaler avec la... Regardez-moi comment ils montent haut. Ouais, celui-là, ils montent super haut, les gars. Wouah, t'as vu la chute qu'ils ont fait? Oh non, ils sont tombés dans l'eau. Voilà. Comment? La gamana no se puede. Ah, et en la mano? Non. No, nothing. Oh, toujours la même chose avec eux. Regarde, on n'a pas le droit à la caméra, c'est une dinguerie. Toujours, on n'a pas le droit. Vraiment, ils sont vraiment chiants, les gens. Ouais. C'est vraiment chiant. Ils cassent la tête. On n'a pas le droit à la caméra. Le droit à la caméra, malheureusement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... pas, ça m'énerve un peu. À chaque fois que tu vas dans un parc, c'est pour passer un bon moment, pour YouTube, faire rigoler les gens, et toujours ils vont nous faire chier. Je vois pas en quoi ça dérange. C'est un toboggan claqué, j'en dirais, je vais me blesser. A few moments later. Ah, ils sont là, ça y est, avec Myriam. Ah, ils sont arrivés, ça y est. Le toboggan, oh là, c'est grave nul quand vous êtes pas là. Oh là, j'ai rigolé, mais pas à 100%. Le toboggan, on voit rien, il fait nuit. On voit rien. Il fait nuit, après on s'est noyé. Et là-haut, c'est des Marocains, gros dédicace aux Marocains. Je vais vous lancer un défi avec Younes et Myriam. Vous devez ne pas tomber quand vous arrivez dans le toboggan à la fin dans l'eau. Mais c'est impossible, Younes, il pèse trop lourd. C'est ça qu'ils vont faire. Franchement, ils ont réussi à tenir eux, les deux petits là. Ils sont là-haut, ils sont en train de demander Younes. C'est où les toboggans? Est-ce qu'il va tomber? Oh là 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 là, là ils sont trop nuls. On va éclater la tête. Mais toi, tu vas être dans ma côte.
Putain, il est incroyable. Hey, tu sais, tu fais j'ai trop l'âme de pas vous emmener avec nous, vraiment. Hey, tu sais, tu fais quoi dans le toboggan? À un moment, tu sors tout droit, après tu fais boum. Genre, ça fait comme ça. Mais hey, genre, il va plus la tête dans la genre, c'est tout noir. Ouais, tu vois comme rien. Si t'éteins la lumière et tu vas dormir, après d'un coup tu vois une lumière. Désolé, vous êtes pas avec nous. Mais vous inquiétez pas, on va changer d'endroit. Franchement, on savait pas que la GoPro elle était interdite. Et du coup, Younes il a pas pu la prendre. Peut-être qu'il aurait pu la ramener en secret dans sa poche et les filmer quand il était là-haut. Mais du coup, lui il l'a mis dans sa grosse tête comme ça en allant vers lui. Le monsieur l'a dit non direct. C'est pas un monsieur, c'est la police là-bas. La police. Elle a dit non, c'est tout. Cherche pas à comprendre plus loin. La prochaine fois, sois plus discret dans la vie. On t'attache jamais après à être discret, c'est pas tu Oh, regardez, j'ai une GoPro. Par contre, je veux bien que je suis bête. Mais toi, tu vas avoir des défis, toi, Myriam. Elle est pas chaude, moi j'y vais pas, Younes. Ah ouais? Moi je suis allergique au froid en fait. Quand je mets du froid, mes doigts ils deviennent tout congelés là. Quand même, le parc il est super beau. Regardez là-bas, il y a des volcans. C'est des volcans. Ouais, parce que c'est Aqualava. Cap ou pas cap d'aller dans le volcan, tout là-bas et tu reviens. Pas cap, je veux pas finir. Oh la peureuse. Là, on prend l'escalier, les amis. Incroyable. Dites-moi qu'elle est chaude, s'il vous plaît, une eau chaude. J'espère. Pourquoi les gens vous mettez que du froid? Le froid, c'est. En fait, ils mettent pas du froid, ils mettent à la température du temps, genre. Bon, on va voir ça tout de suite, les gars. Toi, tu veux qu'elle soit combien? 45 degrés? Non, une bonne eau chaude, tu vois. Myriam, elle est déjà partie regarder qu'elle est chaude. Chaud. Dis-moi qu'elle est chaude, s'il te plaît. Myriam, c'est une bluffeuse. Elle est carrée. Vas-y, mais quand elle dit normal, ça veut dire que c'est glacé. Va voir par toi-même, va voir par toi-même. Elle est carrée. Tu me pousses pas? Non, je te pousse pas, t'inquiète. Tenez, c'est la famille. Arrête de mentir, on arrête, c'est un abus. Lui c'est trop un acteur lui. On va voir ça tout de suite. Attends. Non, t'abuses, elle est pas congelée, elle est bonne. Comme une bonne glace à Gendaz, elle est bonne. Je vais prendre la piscine de l'hôtel. Tu vas prendre ta bouée, tu vas y aller mec. J'en prends qu'une pour moi. T'en prends qu'une pour toi. Et Myriam elle vient pas. Myriam tu fais quoi, tu viens? Bah moi je nage, t'as le droit de nager comme ça. T'as le droit, y a des petits nager. On a une bouée pour deux. Ah ouais. Celui qui répond bien à la question, il a le droit à la bouée, l'autre il l'a. Mais non, s'il vous plaît. Pour l'instant, personne là, ok? Myriam, je te pose une question. Ah, c'est glacé. Oh le mytho. Deuxième escalier. Ah, c'est glacé les gars. Pas possible d'avoir une eau congelée comme ça là. Bah elle est grave bonne l'auto, t'abuses. Mais mets tes fesses dans la bouée. Je peux pas, si je me cogne contre le truc noir ou. Mais c'est pas grave. Toi c'est un enfant, regarde, tout le monde nage, ils sont contents. Waouh. Oh là, c'est congelé. Allez, va dans la rivière. Va dans la rivière. Me pousse pas. Aïe. Ok Yacine, qui est le président de la France? Emmanuel Macron. Ok Myriam, cite-moi. Attends, il veut pas nous suivre. Cite-moi deux villes au Maroc. Marrakech et Agadir. Tu descends. Pourquoi? Tu descends. Attends, mais laisse-moi descendre là-bas, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu descends. Pousse-moi là-bas. Non, tu descends là, maintenant. Mais je peux pas, c'est congelé. Tu descends. Attends, laisse-moi descendre. Sensation, il descend, ça je le retourne. Arrête de tricher. Sensation, descend. Laisse-moi descendre tout seul. Arrête de me tirer. On se casse. Tu fais quoi, tu veux? Myriam, t'as un poisson ou... Mais il veut pas me laisser rentrer dans la bouée. Ah, tu veux rien savoir? Si, je vais descendre là-bas. Ah, il va descendre là-bas, il a dit. Non, il a là-bas. Pas le droit, il on donne rendez-vous au pont, je descends au pont. Vas-y. Yacine, y'a une piscine à vagues. Y'a une piscine à vagues. Voilà, et là, tu descends. Regardez, là-bas, y'a une piscine à vagues, je suis choqué. Oh, c'est trop bien. On va aller dans la piscine à vagues, j'espère qu'elle est chaude. Regarde, Myriam, y'a une piscine à vagues. Calme-toi. Il y a la piscine à vagues, t'as dit. Allez-y, il y a la piscine, allez faire des vagues. Waouh. C'est une dinguerie la piscine à vagues. J'espère qu'elle est chaude, s'il vous plaît. J'en ai marre des piscines froides. Mettez du chaud un peu. Myriam, elle est chaude ou pas? Wesh, il y a des vagues dans la piscine. Myriam, elle est froide. Elle est pas froide, tu mens. Ok, on va y aller. Regardez. Viens avec nous. Ouais, je viens. Waouh. Il y a des vagues dans la piscine. Oh, c'est une dingue. Pour l'instant, c'est des vagues de type enfant, tu vois. Ça veut dire là, t'as essayé. Oh, Myriam, elle est malade, elle est enfant. Les vagues, ça a le l'eau, elle a le goût de la mer. Ah ouais? Ouais. Elle a goûté l'eau. Goûte l'eau pour moi. Mais non, j'ai pas goûté l'eau. Toi, tu penses qu'à bouffer, toi? Vas-y, venez, on avance. Wesh, c'est une dinguerie, les gars, piscine à vagues. Regardez là-bas, il y a des grosses vagues. Oh, ah, c'est trop bien. Reste là. T'auras papier. Tu sais nager? Ok, je vais te lancer un défi à toi, Yacine. Vous allez devoir aller tout au fond là-bas et revenir. Si elle se noie, c'est toi responsable. Quoi? Tu la secoues. Bah, tu viens avec nous. Non, j'ai la caméra. Et alors, tu la tiens comme ça? Je vais essayer d'avancer, vas-y. C'est parti, on va essayer d'aller. On avance ensemble. On va voir les requins. Arrête. Attends, déjà, il faut que je fasse un truc urgent. Ouais. Habituation. Ok, c'est bon, je suis habitué. Ok, on va aller voir les requins, les amis. Ils sont partis tout au fond. Mais lâche-moi! Hey, j'avoue, là, elle a le goût de la mer! Ouais. Là, on est vraiment au fond, regardez! Là-bas, c'est tout là-bas, et là, j'ai pris la caméra au fond. Est-ce que je suis intègre? Si je la lâche ou pas? Non, lâche-la pas. Ok, je la tiens pour l'instant. Vous devez aller toucher le trait là-bas, avec les grosses vagues. Ok, je te souffle. Allez, je vais nager, les gars. Mais c'est moi, je la tiens! Bah, lâche-la! Ok, je te lâche. Ne lâche pas!
Allez, c'est bon, revenez. Reviens. Yunus, arrête! Yunus, arrête! Ça va, tu nages juste. Non, arrête, tu viens. Tu viens jusqu'à moi. Eh hey, les gars, c'est de l'eau de mer, j'ai avalé la tasse, c'est dégueulasse. Mais attends, Yunus, tu sais pas vraiment nager. Elle m'a coulé, t'es comme un poussé, j'avais avalé de l'eau de mer. Toi, quand il t'a abandonné là-bas, tu savais pas nager. Si, t'as tué que je gagne. En fait, elle sait nager, mais les vagues, ça perturbe le truc, tu vois. En fait, je vais pas vous mentir. T'as vu, là-bas, je suis en train de filmer, et il y a la police à droite. Ah, du coup, la police, je vais la filmer discrètement. Myriam, tu vois là-bas au fond. Ouais. Police ici. Tu vois, mais la police, elle nous regardait bizarre. J'avais peur qu'elle nous vire. Ah, ouais, c'est vrai. C'est carré ou quoi les vagues? Oh, regarde les vagues là-bas. Allez, au bord. Au bord. Fais montrer ta nage. N'importe quoi. Myriam, cap ou pas cap de s'asseoir ici. Cap. Asseyez-vous, il y a grave des vagues. Là. Hey, c'est trop stylé, on dirait on est à la mer. Vous prenez des patates. Wow. vous devez pas tomber normalement. Je tombe pas. Sans les mains. Myriam, mets-toi en position pompe, Myriam. Mettez-vous de dos en position pompe. Ouais, j'ai la perdu. Ok Yacine, maintenant, enlève une main. Ok, la vague elle arrive. Oh, il est trop chaud, enlève un pied. Les gars, ça me donne trop envie, je sais que vous allez dire Younes, t'as 45 ans. Mais dans ma tête, je suis un enfant. On va essayer de slalomer sans se faire toucher par l'eau. C'est incroyable. Ok. Ah, j'ai raté. Myriam, peut-être elle peut réussir parce que moi je suis trop un gros corps. Ok Myriam, bien joué. Ça passe. Bien joué. À la fin ça a touché. On va voir si Yacine va réussir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a rien compris au jeu lui. Les yeux, il pique comme à la mer, il sait l'autre la mer en fait. Les gars, je me suis toujours dit, Yacine il va vous zoomer, vous voyez la bouée orange là? Ouais. Et bah dans chaque piscine elle sert à quoi? Répondez en commentaire. C'est genre est-ce que quelqu'un se noie, on la jette comme ça et il doit la ramener, ou c'est juste un décor? Pourquoi t'es content? Les gars, il y a des glaces, il y a des sandwichs. Ah ouais, c'est pas halal. C'est pas grave, il y a des glaces, venez on va manger. Est-ce que vous avez de l'argent? Les gars, j'ai les poches vides, je suis fauché. Est-ce que t'as de l'argent? Non, moi non plus. Moi j'ai pourquoi pas. T'as pas d'argent? Moi j'ai pas Parce de poche. Parce qu'on vient pour s'amuser, pas pour manger. J'ai pas de poche. Myriam, ton argent? On vient pour s'amuser, pas pour manger. Ah, euro. Ok. Il faut payer. J'ai pu apercevoir le prix. 4,20€. 4,20€, écoutez bien ce que je vais vous dire. Une glace. On est 3, 4, 8. 9, 10, 11, 12, ça fait qu'on paye 12€ pour 3 glaces. Finalement, j'ai pas très faim. Moi, j'ai pas faim. T'as faim, toi? Non plus. Ouais, aussi, hein. On va manger des pierres, ça c'est va, mieux. Hein. C'est comme des Oreos, hein, c'est bon. Mais il y a des pizzas et tout, mais faut pas le dire à Younes. Viens, regarde juste qu'est-ce qu'il y a. Ok, anglais. Si on le dit à Younes, on va rester là pendant une heure et il va prendre toutes les pizzas. 9,50€ la pizza. Et franchement, je vous dis la vérité, les prix ici, c'est d'arnaque. Oh, ils ont des sandwichs de fou. Ham, cheese panini. Cheese panini, 4€. Oh, ils ont des tacos, margarita tacos. C'est un tacos en mode margarita pizza tacos. Les amis, on est arrivé devant le meilleur endroit du parc. Derrière cette porte se trouve une pièce cachée. Je sais pas si on a le droit de rentrer, on va essayer pour voir. Regardez, il y a quoi à l'intérieur? Oh, trop masterclass! Non, c'est fermé! Vas-y! Il y a des jeux! Peut-être qu'il y a des caméras. Oulala, il y a des caméras là-haut. Oulala, prison garde à vue! Non. Là, on est en Espagne, c'est le pays du football, toi t'es une grosse foutique! C'est quoi, je connais les meilleurs joueurs de l'Espagne, la vie diabale! Ok, on va voir si c'est une foutique, t'as 30 secondes pour découvrir le joueur que je vais penser. Okay. Vinicius. 3, 2, 1, c'est parti! Tu joues en France? Non! En Espagne? Oui! La vie diabale? Non! C'est quoi la première lettre de ton prénom? J'ai pas le droit de le dire! C'est un attaquant? Oui! 3, 2, 1! Je sais pas! Aïe, c'était Vinicius! Ah oui! On l'a fait, c'est une boutique, tu fais le toboggan! Tapez la honte, elle va faire un toboggan pour les bébés! Elle a fait le toboggan des bébés, la honte! Ça... Oh non, il y a le tonneau, il va se renverser sur nous, faut qu'on sorte Younes! Nous, on est glacés en plus! Ah Younes! Vas-y, à cause de toi! Vous êtes pris le tonneau comme des enfants là! Ça drôle hein. Ouais. En plus quoi, elle est congelée. Elle est où la piscine chaude que vous m'avez dit? Y'a pas de piscine chaude. Je sais pas. Moi aussi le tout à l'heure j'ai envie de la chercher là, faut demander. 1 hour later. Mais il fait quoi lui là-bas tout seul là? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi vous m'avez... Mais comment vous m'avez retrouvé? Subhanallah. Pizza. Mais laisse-moi my pizza, my italienne, my fromage. Non, arrête. Regarde si tu veux, mais pourquoi vous m'avez retrouvé? Mais ouais, tu prends une pizza. Mais Yacine, j'ai faim. C'est très très grave quoi. Comme ça, je préviens pas. Tu demandes pas si on a envie ou quoi? Vous en voulez? Bah oui. Ah, genre t'en veux? Oui. Laisse-la à Myriam, ouais. Ah, elle a faim. Les gars, j'en ai marre vraiment d'eux. Ils me retrouvent toujours quand il faut pas de chien. Goûte, petite pizza italienne, double fromage.
Juste goûte, hein. Tranquille. Calme-toi. Tranquille. Ouais, c'est vraiment pas une pizza en fait. C'est pas un taco, je croyais que c'était un taco. Je suis dégoûté, mais c'est une pizza, mais c'est pas grave. Devinez, j'ai payé ça combien? Devinez. 5 euros. Ouais, non, 3,50€. Ça vaut? Franchement, je sais pas, faut tester. Ouais. T'inquiète, ça va être carré. Regardez le fromage, comment il dégouline. Vous êtes prêts? My pizza! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est incroyable! Regardez-moi ça! C'est l'Espagne! Ça, c'est l'Espagne! Aïe 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 aïe! Donc, en tout cas, ce que j'en pense du parc, le parc il est super stylé! C'est chaud, c'est pas pour toi! C'est pas pour toi, mon frère! Tu veux que ma casquette sur la tête? Qu'est-ce que t'en penses du parc, Myriam, pour l'instant que ça refroidit? Le parc il est incroyable! Les piscines elles sont incroyables, les toboggans ils font un peu peur, mais ça va! En fait, c'est le noir en fait! Les gars, juste un petit message, tous les aquaparks, laissez-nous filmer. On vous fait de la pub, on s'amuse, tout le monde est gagnant, vous inquiétez pas. La GoPro, elle est bien fixée à la tête, c'est une masterclass. Oh, le fromage, regardez le fromage. Wow, un chewing-gum. Wesh, doucement. Doucement, calme-toi, repose. C'est bon, t'as fait ton croc, tu te casses, c'est bon, vous partez. Il reste plus de la pizza. Hein? Et celui-là, pizza, ça a l'air rare. Si je lui laisse la pizza, je vais en prendre 3 derrière. Bah vous non. Êtes vraiment chiant. Là, c'est le coin dégustation. On attend nos commandes. Vous venez, vous m'énervez. Les gars, la pizza, les fromages, ils sont incroyables. En vrai, c'est pas une margarita parce qu'il y a marqué margarita. Alors qu'il n'y a pas de sauce tomate dedans. Ah, ma deuxième commande. Blague. On refait une commande. Ouais, j'ai faim. Oh, je crois que ça va me caler ça. Tu sais, si tu finis la pizza, Younes, il va t'en vouloir toute sa vie. Mais je vais lui faire un petit bon. Mais il va péter un cap. Tu connais pas Younes, toi? Ah bon? Bah oui. En tout cas la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Si on arrive à 10 000 likes, on va dans un parc aquatique encore plus grand, ça va être une dinguerie. Oh là là, on peut plus revenir en arrière. Aïe aïe aïe, Younes il va péter un câble. Je crois que j'ai perdu Myriam et Yacine, ils sont partis et ma pizza aussi elle a disparu. J'espère qu'il leur a pas arrivé une dinguerie. J'ai faim, y a pas Yacine Myriam, je sais pas. Bref, salut les gars, je vais essayer d'aller les trouver.